En anglais, compé. J'ai dit 500, c'est assez gros. Hein. Le texte est énorme. Deux feuilles à trois. Il y a beaucoup de vide. Pas plus vert, un peu plus carré. Une, deux, trois. Quatre. Cinq planches. Deux, quatre. Dessin. Des six. Des sept. Thank you.
La suite, c'est ça. C'est les planches avec des doubles trous dans le même coin. Alors qu'ici, il y a un seul trou. Le double trou va dans là où il n'y a rien encore. Ça permet de superposer un autre quelque chose par-dessus en fixant sur le deuxième trou. Donc, il suffit de remplir tous les espaces vides. En faisant attention à la texture du laser qui est à la surface. J'ai le doigt qui colle à cause de la colle. Colle forte, instantanée. Ok, c'est bon. Voilà, ça correspond à ça. Donc après, pour moi, je fais à l'envers, donc moi je vais inverser vers l'extérieur les textures qui s'affichent ici. Pareil, avec texture vers l'extérieur. On passe au roue maintenant. Donc, B7, c'est la grande roue au fond. B6, c'est la roue plus petite qui n'a pas de texture sur les deux côtés. Alors que le B7, il y a la texture vers l'extérieur. Donc, on peut voir la texture et les petites boules cercles. Et la petite roue B8. Qui sert à bloquer les roues avec texture toujours vers l'extérieur. Voilà. B7, B6, B8. On fait ça pour le 4. B7, B7, B6. Pas de texture. B6, 7, 6. B8, ici. B8. J'appuie. Et normalement, ça roule plus. J'ai trop appuyé. Je vais essayer de
de desserrer un peu parce que j'ai les co complètement serré contre le fond et du coup ça ne roule plus. Voilà. Donc il faut desserrer un tout petit peu pour que ça roule à nouveau. Voilà. Les quatre roues sont faites. C'est 11. C'est 9. B3.
Ça roule bien.